Bein Sports ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezon öncesinde röportajlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ve yanımızda çok önemli bir konuk var, çok değerli bir konuk var. Vava Kars, Fatih Karagümrük'ün yeni transferi, tecrübeli isim Mehdi Benatya ile birlikteyiz. Hemen kendisine dönmek istiyorum ve röportajımıza başlamak istiyorum. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin diyerek başlayalım. Şimdi transferin olalı aslında yaklaşık bir ay oldu, bir ayı biraz geçti. İlk izlenimlerin Türkiye ile alakalı nasıl oldu? Bir de tabii transfer süreciyle alakalı neler yaşandı onu dinlemek isteriz öncelikle. Alors oui, ça fait presque voilà un mois que je suis là. Je connaissais déjà le pays, je connaissais très bien la Turquie parce que je viens régulièrement en vacances ici. Je connaissais aussi un petit peu la ville qui est une ville bien sûr magnifique. Et je pense que quand j'ai fait ce choix-là, j'ai vraiment donné une priorité à la ville. Et voilà, j'ai réussi à trouver un club qui est un club ambitieux. Même si c'est pas peut-être un grand club par le nom, mais c'est un club qui a beaucoup d'ambition, donc les impressions sont bonnes et je suis très content. Fransa, Almanya, daha sonra İtalya çok büyük kulüplerde forma giydikten sonra aslında Katar'da tabii dahil etmek gerekiyor bu ülkelerin içine. Şimdi Karagümrük transferi senin için aslında neler hissettiriyor? Senin için herhalde yeni bir heyecan olacaktır diye tahmin ediyorum. Oui, j'ai eu la chance de faire différents pays avec différentes expériences. Mais voilà, je sais que la Turquie, c'est un pays qui est passionné par le football. Les fans sont incroyables. Il faut espérer que maintenant, le Covid nous laisse tranquille pour que les fans puissent revenir au stade. Parce qu'en Turquie, c'est vraiment une ambiance magnifique. Et je connais mon club. Avant de venir, je me suis beaucoup renseigné. Je sais que le coach, c'est quelqu'un de passionné par le beau jeu, par le football. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect technique, donc pour les joueurs c'est un plaisir et c'est pour ça que j'ai fait ce choix et je suis content. Türkiye'de aslında çok fazla faslı oyuncu izlemeye biz alışız. Özellikle bu sezonda da yine takımlarında forma giymeye devam edecek isimler var. Ne bildiler gibi, Faysal gibi, Yunus Belhanda gibi. O isimlerle herhangi bir temasın oldu mu Türkiye'ye gelmeden, Karagümrük'e gelmeden önce Türkiye hakkında herhangi bir bilgi sahibi edindin mi onlardan? Je les ai souvent au téléphone, Nabil, Younes, Belanda, Faysal. Voilà, c'est comme des frères pour moi, ce sont des grands amis. Donc bien sûr, je les ai eus au téléphone avant de signer, même si je sais que, par exemple, quelqu'un comme Younes, je sais qu'il adore la Turquie, il a même acheté une maison ici. Donc beaucoup de joueurs que je connais, comme Bafé Gomis, Isiardia, Moussasso, ce sont des amis, donc j'ai toujours entendu de bonnes choses concernant la Turquie, concernant Istanbul. Donc voilà, quand j'ai fait ce choix-là, c'était pas un hasard, je savais vraiment où j'allais. Yeni sezonla ilgili biraz konuşmak istiyorum aslında. Şimdi Fatih Karagümrük'ün geçmiş sezonlardaki transferleri de, önemli isimleri de aslında aynı şekilde kadroda kalmaya devam ediyor. Biglia, Bertolacci, Fabio Borini gibi çok önemli isimler var. Şimdi sen de aslında o ekibe katıldın. Yeni sezonda nasıl bir Fatih Karagümrük izleyeceğiz? O oyuncularla beraber aynı ortamda Fatih Karagümrük'te bulunmak, Fatih Karagümrük'ü herhalde biraz daha heyecanlı bir yeni sezona doğru ilerletiyor diye tahmin ediyorum. Oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs incroyables, voilà, comme vous avez pu citer, Biglia, c'est vraiment pour le coup un top player, Bertolacci, Viviano, Borini, voilà, sont des joueurs magnifiques qui ont une très belle carrière en Italie. Ça prouve les ambitions du club. Je sais que le président, le coach, ils ne veulent pas seulement faire une année en bas de tableau, l'important c'est de viser là-haut, il faut être ambitieux. Le coach a les idées de jeu vraiment incroyables. Malgré qu'il soit un jeune coach, il a beaucoup de personnalité et techniquement il est impressionnant. Donc je pense que si on est sérieux, si on arrive à être à l'écoute et à faire ce que souhaite le coach, il y a vraiment la place pour que les fans de Karagümrük passent une bonne année cette année et prennent du plaisir au stade surtout, parce que je suis persuadé qu'on peut être une bonne équipe. O zaman Başkan Süleyman Hurma ve biraz da aslında tabii teknik direktör Francesco Farioli ile alakalı da biraz daha onun oyun planı ile alakalı, bu geldiğin takıma katıldığın dönemden itibaren nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu da merak ediyorum. Özellikle tabii Farioli meselesinde. Bah, comme je vous ai dit juste avant dans ma réponse, c'est que ce sont des gens très ambitieux. Que ce soit le président qui a une envie incroyable de se qualifier même pour la Coupe d'Europe, etc. Donc ils font le maximum pour le club.
pour avoir une équipe compétitive. Et on voit bien les joueurs qui sont arrivés, même l'année dernière, tout ça. Donc c'est qu'il y a un projet dans ce club qui est intéressant. Et le coach est un peu au milieu de ce projet, avec ses idées à lui. C'est quelqu'un vraiment qui est passionné par le football. Moi, j'avais déjà entendu, avant de venir ici, parler du coach, de sa philosophie. Et c'est pour ça que je dis que pour les joueurs, c'est un plaisir d'avoir un entraîneur comme ça, qui nous met sur vraiment qui nous présente un bon football et qui a des vraies idées de jeu. Daha önce aslında tabii çok tecrübeli bir futbolcu olarak Bayern Münih gibi, Juventus gibi çok yüksek seviyelerde futbol oynadın. Türkiye'deki futbolla henüz tabii sahaya çıkmadın ama bir karşılaştırma yapmanı istesem acaba neler söylersin? Hem Avrupa Ligleri ile alakalı hem de izlediğin kadarıyla Türkiye Ligi ile alakalı. Oui, c'est un peu difficile de faire la comparaison avec la Super League parce que pour l'instant, j'ai pas encore joué, même si je connais un petit peu les équipes. Je sais qu'il y a vraiment voilà 3-4 équipes dans le haut de tableau qui chaque année font un peu la bagarre pour le titre. Après, je pense que toutes les équipes se valent plus ou moins. Mais voilà, c'est un championnat qui est engagé. Je sais que ça joue beaucoup à l'offensive aussi en Turquie. Donc on voit des buts, on voit du spectacle et c'est ce que les fans ils aiment. Après, l'Italie, c'est un championnat très tactique, plus fermé, même si ça a un petit peu évolué. Mais c'est très tactique et l'Allemagne, c'était un peu un spectacle. L'Allemagne, ça joue pour marquer. Si tu gagnes 4-3 ou 5-4, le coach est content. Les entraîneurs, ils demandent des buts et du spectacle. En Italie, c'est un petit peu différent. Mais je pense que voilà, ici, en Turquie, il y a un bon mix. Et vraiment, on voit du bon football avec beaucoup, beaucoup de fêtes dans les stades. Et ça, c'est passionnant. Peki, şunu da aslında merak ediyorum. Yine bu kadar tecrübeli ve bu kadar üst düzey liglerde oynamış bir oyuncu olarak kendi bireysel olarak kariyerini nerede konumlandırıyorsun? Çok da tabii önemli başarılara da imza attın. Kendi kariyerini, kendi oyununu bu kariyer içerisinde sen nasıl konumlandırıyorsun? Alhamdulillah. Toujours je dis alhamdulillah. J'aurais pu faire peut-être plus, j'aurais pu faire moins. Quoi qu'il arrive, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai donné le maximum tout au long de ma carrière. Il me reste encore ici 2 ans. J'ai signé 2 ans pour l'instant dans ce club. Je vais donner le maximum, comme j'ai toujours fait. Et le jour où je sentirai que j'ai un petit peu moins d'envie ou un petit peu moins de passion, je ferai quelque chose d'autre. Moi, je suis quelqu'un très simple. Je me complique pas la vie. Maintenant, je suis content de mon parcours. J'ai eu la chance de jouer en équipe nationale de mon pays, d'être capitaine, d'aller à la Coupe du Monde, de faire 4 Coupes d'Afrique. J'ai eu la chance de gagner des titres en Italie, en Allemagne, au Qatar. Donc voilà, je me considère un privilégié. Alhamdoulilah, comme j'ai dit, je suis content du parcours. Mais je ne m'arrête pas là. J'ai de grandes ambitions aussi avec mon nouveau club. Et j'espère que je continuerai à pouvoir prendre du plaisir le plus longtemps possible. Geçmişe dair aslında son sorumu soracağım. Daha sonra Karagümrük'e geri döneceğiz. Bayern Münih'te Guardiola ile beraber, ondan sonra Boateng ve Lam'la beraber, hatta tabii pek çok yıldız isimle beraber, Juventus'ta Chiellini, Bonucci, Hoca Allegri, onlarla beraber oynamak sana ne kattı? Nasıl tecrübeler edindin onlarla oynarken? Biraz onlardan aslında bahsetmeni rica edeceğim. Quand je disais que je me considère un privilégié juste avant, c'est aussi par rapport à ça, c'est d'avoir eu cette chance de travailler avec des grands entraîneurs, de jouer avec des joueurs incroyables. Donc vous avez cité cela, mais j'ai eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, avec Ribéry, qui sont des champions incroyables dans le travail, dans la mentalité. Quelqu'un comme Chiellini, c'est vraiment un joueur impressionnant aussi. Donc voilà, je m'estime vraiment chanceux d'avoir pu côtoyer ces champions au quotidien. Ils m'ont sûrement fait progresser, avancer aussi. Donc c'est bien, c'est une chance. Şimdi Karagümrük'e geri dönelim. Mutlaka tabii henüz tanışma fırsatın olmadı ama bahsetmişlerdir diye düşünüyorum. Karagümrük taraftarı fazlasıyla takımına sahip çıkan ateşli bir grup. Ve onlarla sezonun aslında başında buluşacaksınız seyircili maçların başlamasıyla beraber. Ve transferin duyurulduğunda bir videoyla duyuruldu. Onların aslında çok ünlü bir tezahüratı vardı. Selamun Aleyküm, Karagümrük geldi diye. Son olarak röportajı kapatırken taraftara bir mesaj rica edeceğim. Ve onun da sonunda Selamun Aleyküm, Karagümrük geldi demeni rica edeceğiz senden Mehdi Benatia. Selamun Aleyküm, Karagümrük geldi.
Bir de tabii ki mesajını rica ediyorum taraftarlara nasıl bir sezon geçireceğine dair bir iki cümlelik bir mesaj olursa çok iyi olur. Non, juste les remercier pour mon comment ils m'ont accueilli, de la façon voilà où j'ai été accueilli, un grand merci et leur dire surtout que il faut qu'on soit fier de nos couleurs et que ce que je peux promettre c'est que partout où on va aller cette année dans tous les terrains de Turquie, on va jouer avec le cœur, on va rien lâcher, on va se battre. Avec notre football, avec nos idées, avec nos forces et bien sûr on aura besoin de leur soutien pour faire une grande saison inşallah. Metin Benatya, merci beaucoup. Çok merci. Teşekkür ederiz bu röportaj için, bize vakit ayırdığın için. Çok keyifli bir röportaj oldu. Yeni sezonda da hem Fatih Karagümrük hem de sana başarılar diliyorum. İnşallah. Merci beaucoup. Bein Sports ekranlarında yeni sezon öncesi Vava Kars Fatih Karagümrük'ün yeni transferi tecrübeli isim Mehdi Benatya konuğumuzdu. Kendisiyle gerçekten çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Röportajımızın burada sonuna geliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.